Moi, juste me mettre en mode zoom et comme ça, on est tout prêt. Alors, je pense qu'on a les webinars qui arrivent. Welcome everyone. I think that we are now opening this webinar, our second webinar in adapting to the COVID series. The attendees are joining. It's a great pleasure welcoming you. You can see that we are today with same and new people as we had last week. And I see now that many attendees. So we will wait as usual a minute until all the attendees have been able to be connected and are joining. We're already more than 60 people connected here. And we will be opening discussion in a minute with the people who accepted, and the great pleasure to have again the people from the canton, entrepreneurs, people from the bank this time, as you will be in the forefront of managing this situation here. As we know, it is a very special situation, and it's evolving quickly on a daily basis, and therefore we need to make sure that we have everything, or at least that we share as much information as possible. So I'm waiting a little bit still as people are connecting, and then we'll have, as usual, a session where we will, at the end, invite most of the people to be joining. Those who have questions, we'll have a first part where we will open actually the floor to our speakers, to our panelists today, to make a brief update of what the information is or what the status is on what we're doing. And this seminar, as last time, will be both in English, as we have many people here who are joining us in English, and in French. On fera aussi évidemment des parties en français pour nos partenaires, donc n'hésitez pas à switcher de l'un à l'autre. Cette fois-ci, on va enregistrer le webinaire de façon à ce que les gens qui veulent se rejoindre, ou en tout cas les gens qui veulent revoir ou reprendre certaines parties ou revoir certains slides, pourront l'opportunité de le faire encore après. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui se connectent. Je vois qu'on a passé, on arrive à 70 bientôt. 75 avec nous les panélistes, bientôt 80. Je pense qu'il est temps de démarrer, 8h33. So welcome everyone. Allow me to introduce who is here and to introduce this brief seminar. Thanking everyone once again. We were still waiting for one person from the BCV, but still we will be opening this this session, and then we hope that we'll be able to connect. This is done quite live. A great pleasure to have all of you. I am now sharing my screen so that you will see a brief introduction of who is joining us today for this. I have to say I started by the end. And this is, here we go, to our second Adapting Your Business to COVID-19, Living Extraordinary Times, really, and with the entrepreneurs and startup community that is here. I know you have a lot of questions, and so in order to address today, we have the great pleasure to welcome again Raphael Kontz, who has been working very intensively, and he will give us an update of particularly not only what the Confederation, but also what the Canton does. We welcome Patrick from Innovo, who will also share with us what is being done at Innovo in coordination with the Canton, and Caroline Graf, project manager, who will be here for all the questions and answer. We invited also, and we have the pleasure to have now already connected Ronald, who is the person in charge of the startup hub at Credit Suisse. He will be here also to answer some of the questions. And then we ask two entrepreneurs to quickly share their experience with Pierre and Samir, also have a quick discussion. As usual, we don't have all the answers. This is a today's status. We want to do this seminar as regularly as possible as the situation is evolving. That's a very that's a current situation that we have. As said, we want to do it for all of Switzerland and also broader if it helps, therefore in English, but we will be changing, of course, to French particularly when we talk of some of the measures that are being taken here in Canton Vaud, as this is one of the focus this time. So basically, welcome to everyone, and I think that just a small reminder, many of you have been joining us before, so you're now familiar. Please raise hand, and please
If you have any questions, put it in the Q&A tool. In the first part, it is easier for us to take some of the questions live and to use the Q&A tool, which you have in the Zoom part. We think it is more efficient to do it like this. Please don't use at first the chat or any other, but really in the Q&A tool. And therefore, we are able to manage, get the questions, keep these questions for later. And I think it will be good for everyone to benefit from all these questions. This being said, we have the pleasure now to give the word directly. And that's thank you very much. I will now pass the word to Raphaël. Raphaël, thank you for joining us. I know that at the forefront of this quite dense time, having us here and being able to already share at least where you stand today and the direction it is taking, even if not everything is fully validated, but so that we have some indications of the directions it's going to take. Welcome, Raphaël, and the floor is now yours. Thank you, Jordi. Thank you for the organization of this second webinar. It's a pleasure for me to be also with you and to try to at least answer some of the questions, some of the worries about companies, mainly startup scale-up from VO and from other Canton region. So yeah, I will be quite quick on the first part of my presentation, just as a reminder to give some update about the main decisions taken by the Swiss government. Basically, three, I would say, main decisions in terms of companies' supports or supports to any kind of companies in Switzerland. So the first one was this bank loans, which are fully guaranteed by the Swiss Confederation up to 500,000 Swiss francs. But as you know, the main criteria is this model is based on the turnover, 10% of the total turnover, which is an issue for especially startups that doesn't have any turnover or that has very little turnover so far. So especially for all companies dedicated to products and technologies with long cycle of developments. But for all other companies, I think this issue is, despite its loan and they have to reimburse, is something that has already been successful. And we have the banks present on this webinar, so they will give us probably updates about the situation. Then the second is the RHT, Réduction Horaire de Travail. So this is also for Canton of Vaud, more than 11,000 requests have been submitted. Be patient. We know there is a lot of calls and requests about the current situation at the Service de l'Emploi. As long as you have submitted your request, you will be contacted by the Service de l'Emploi once again, starting from last week, from the middle of last week, more than once again, 11,000 requests have been submitted. So it's quite a lot. And it's roughly one-fourth of the total request in Switzerland. So you can imagine that it's not that easy to address all this volume for the Service de l'Emploi, but you will be contacted. And there is a new email address in case you have questions. You can send me a message and I will provide you the email address where you can address your detailed questions to the Service de l'Emploi and to the Caisse de Chômage, because now these issues at the cantonal level is taken in charge by the Caisse de Chômage. So then, and the third, I would say, decision is concerning les indépendants, all the companies that are not under the salary or, and this is also with the perte de gain, the opportunity for all the businesses that have been cut and closed because of the decision of the government. We still have a few, I would say, gap in the system. First, there is a lot of frustration regarding the RHT for the founders, the one that have shares in their company. 3,320 is not enough. There is a lot of lobbying made by all cantons toward the Confederation to, I would say, address a better, bigger amount for this specific issues of all
founders concerned by this little amount, and we would like this amount to be at least the same as the one that the indépendants get in terms of perte de gain, but this is something more in terms of lobbying at the federal level. Then there is also the gap for the indépendants, all the businesses that are fully impacted by the COVID crisis, but that cannot get the perte de gain. And this is also an issue to be addressed at the federal level. And finally, the startups. We are here to talk about it. And this is probably the issue we still don't know, thanks to Jordi, thanks to Venture Lab, thanks to all of you entrepreneurs. You already addressed a lot of messages towards the Swiss government. Hopefully, there will be some, I would say, specific measures for startup scale-ups. But at the federal level, we don't know what's will be taken, what decision will be taken. Probably Jordi will tell us more. But the fact is, at the cantonal level, it's something that is also one of our priority. And I will speak about that later on. So I also would like to remind you that all the general information about the COVID crisis, there is this link, vd.ch/coronavirus/economy. Please go and see. There is a document, frequently asked questions with 50 pages. There is answer for all, I would say, general information. I just wanted to remind it because we have been solicited very much for this, for any kind of question. I also would like to remind that the current situation at cantonal level for especially startup, scale-up, small and medium-sized companies that are dedicated to R&D manufacturing activities. Our support of Innovo, and probably Patrick will speak on that later, of the Office for Economic Affairs and Innovation, SPEI, and the FIT is ongoing. So we still get requests for financial support, and we deliver, and we try to do it even faster than the usual. We do it everything digital, online, and so please don't hesitate. We are currently also doing our best to make sure that all requests for ongoing projects, ongoing financial requests in terms of support of the ecosystem, we do our best, but this is ongoing. And there is a new action and support plan at cantonal level. I don't want to go in many political debates and issues. I already mentioned the lobbying we are doing for the indépendant and also for these issues of amount, the amount for the founders in terms of RHT. But what I would like to speak now is about the a very short and quick overview of the proposal we have made to our government in collaboration with Innovo, the FIT Foundation, and the Office for Economic Affairs and Innovation towards our government for the startups and scale-up. I must say now that this proposal is still to be validated by the FIT, because it's something we would like to do with the FIT, the Foundation for Technology Innovation, and also to be validated by our government. So please don't take it as a fact. We need to really... We have been working for the last 5 days, even the weekend included, but the question is not this. The question is more to make sure that we are doing the right way. And hopefully this week, or at least the next week, we should have answer from our government. But the idea is to propose a model, and we have also worked closely with Jordi, together with Patrick, with Julien Gay, David, and some members of the FIT board. But the idea is to have a new loan, which would be provided and granted by the FIT, a special loan, COVID-19, if I may say that, where we could also provide with a quite simple system a first level of support up to 300,000 Swiss francs. The model would be based on the amount of salaries, three times the amount of salaries, and we would have this maximum amount of 300. The idea is to support all startups and scale up that are fulfilling
these criteria at the first level. And then we also would like to provide the support for our scale-up companies, the ones that are fast-growing with a second level from 300,000 Swiss francs up to 1 million. And this level of supports would be also not only conditioned by 3 times of the total salaries paid by the startups, but also to a matching with private investors. The idea is to support startups and scale up in order for the current investors, as we know that the new investors might be quite it might be quite challenging to get new funding, but the idea is to convince the current investors, the current shareholders, to reinvest in order to gain in terms of cash burning, in terms of bridge, a kind of bridge loan with the support of FIT, as FIT is usually doing it. So two level of support and some condition of eligibility to be based in Canton of Vaud. This system would be complementary and subsidiary to the federal loan from the bank. So the first, I would say, step would be to, if you have turnover, even if it's small turnover, to really make the maximum to get the support of the Confederation, the system of the Confederation through the bank loans. And then in terms of subsidiarity and complementary, to come to the FIT to see if there is the opportunity to get the additional funding. But the system would be very complementary of the one from the Confederation. So I don't think I will go in too many details, but it's just to mention that and we will communicate on that as soon as our Vaud government and the FIT will have accepted. But the thing is that we will provide support from 100,000 Swiss francs up to 1 million for some scale-up companies if our government goes with these measures. That would be in a package of roughly 30 million Swiss francs to be granted for this year, specific years, in terms of support and, to startups and scale-up. So the next step is, of course, the decision of our government and the decision of FIT, and we should be able to come back to the ecosystem next week, or probably before Easter, at, for sure. But please, once again, I cannot disclose all the issues today, but and we need to make sure our government is following these suggestions and this proposal. As you probably know, that the issues for the government is not only startups and scale-up, it's the full businesses, and there are also issues to be addressed for at many levels, it's for many categories of the economy. So please take this as a concept and as a proposal from the different bodies that are very much involved to support startups and scale-up. So I'm finished with that. Thank you. Thank you very much, Raphael, for this brief review and what we see the canton coming as a complementary mechanism. I think that's really... Can you just re-give, I think you mentioned that all the questions regarding the RHT, so the réduction des heures de travail in particular, what are the conditions? We had a couple more questions on this. There was an email that you mentioned last time, so if you can just share it again in to whom we should write all the questions regarding the RHT, les réductions des heures de travail. C'est une question qui revient quand même encore régulièrement. And we are trying to put all of the questions there. So thank you. We see that there is now this complementary model that will be coming and supporting what the Confederation already does. We will continue, Patrick. I would like to pass you the floor. You're heading Innovo, and Innovo also has put up some resource. Floor is yours. La parole est à toi. Good morning, everybody. I would like to say that thank you to Raphael to summarize the plan of the canton to support startups and scale-ups. We've collaborated with the elaboration together with FIT. So I won't go into much detail, of course, about that. I want to say that the whole Innovo team is
available and supporting the different startups and SMEs in the canton. So the whole normal support mechanisms are there, financial support through the service La Promotion Économique, also the FIT, the whole FIT support, seed, growth are working. So you shouldn't hesitate to enter also the normal FIT loan processes. We've put up, many of you have seen it, an info page on the Innovo website. This is to complement the canton's information page. The page on the Innovo website is more oriented to high-tech, deep-tech entrepreneurs with best practices and tips and tricks. And we also have a collection of important documents that you can access on a Google Drive. We've set up also, it's still ongoing, but it's available already today, a specific quick access to the coaching interventions of the Platin network. So in order that specialists in the Platin network can help you in very short support phases. So 1-2 hours to help you debug some processes. And we'll have a page very soon that shows the specialty of each of the coach and how to access them. You know that FIT also suspended the interest payments for the 3 months. I mentioned it last week. So this is one of the supports, and all the FIT processes are ongoing. So I just want to conclude this very brief summary by stressing that if you are a high-tech, deep-tech startup and you don't have yet a contact at Innovo, contact us or contact the person you know at Innovo to see what kind of support could be available for you. So this is it. Thank you. So thank you very much for this very brief introduction as well. I am seeing that, of course, there are a lot of questions. We have the pleasure to now have also Didier Muller from the BCV who joined us. And what I will do as next is just to give a very brief update on my end. Many entrepreneurs know we're running this survey. We have collected now over 660 answers. I think what is very clear is that for the entrepreneurs who typically what you addressed, Raphael, the entrepreneurs who do not have today either turnover and have a long history, we see that a history of having invested in the company are falling a little bit through the cracks. So that the canton is already doing something is great. We received a lot of inputs. So we receive a lot of suggestions going from grant to special pandemic fund. It's difficult to see that I have to say, I have often these questions, what can we do for us? It is difficult to imagine that we can do something very special during this period in inventing a totally new solution. Therefore, our current focus and push is to make sure that at least the tools available, such as the guarantee, are also potentially usable by the startups. Now we won't keep, of course, looking after as many solutions as we can in order to support the companies. And you have all the links. And as an introduction, we have the pleasure to welcome now Ronald Colliard as well. And Mr. Sorry, I am losing a little bit my track here with all the messages coming in. And Mr. Muller from the BCV, you are both a little bit in, so from the banking perspective. And so thank you very much for joining us. We know that both of you are extremely active and that the startups, particularly the small also SMEs who don't have turnover, are a preoccupation of yours. Didier Muller, I hope you hear us. Didier Muller, are you here? I'm here, sorry. I was a bit late this morning to connect. It was a bit difficult, but I'm with you with pleasure. Great pleasure having you. You're heading the task force. On peut aussi passer en français, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci, mais je fais un peu en anglais et en français. Donc vous êtes à la tête de la task force PME. Ronald, vous êtes responsable du hub. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions. Je vais peut-être le faire aussi en français. Il y a beaucoup de questions. Vous l'avez en anglais sur le slide. En particulier, qu'il y aura cette garantie de pour justement 10% du chiffre d'affaires. Maintenant, on verra que ça va être complémenté
le canton de Vaud. Par contre, je crois qu'une des choses, ou en tout cas trois points qui ont été mis en avant déjà parmi tant d'autres, c'était le premier, c'est en fait toutes ces règles ont été mises en place pour l'impératif étant que ça soit fait pour garantir les cash requirements de la start-up, donc les besoins en liquidité. Et puis, évidemment, qu'il y a beaucoup de start-up qui sont dans la situation d'avoir peut-être levé des fonds, mais se retrouver avec du cash, mais être particulièrement retardé. Donc, en fait, l'effet cash de problèmes de liquidité va se matérialiser plus tard. Je pense que Pierre et Samir vont peut-être aussi en parler. Mais ça, c'était une des choses. C'est pour vous, dans le cadre de l'application maintenant des règles qui seront mises, un peu comment vous regardez ça, parce qu'on entend qu'évidemment, ça c'est un des soucis, ça doit être pour de l'immédiateté dans le cash, comment ça va se passer peut-être dans la durée. L'autre question, donc combien de temps vous pensez que ces prêts sont à disposition, à quel moment la start-up doit s'inscrire, c'est aussi ça, à quel moment les start-up doivent s'inscrire pour avoir cette garantie si nécessaire et si elles veulent l'utiliser. La deuxième chose, évidemment, ça a été la partie… si j'ai bien compris, à partir de 2022, au 1er janvier 2022, ça s'inscrira comme une dette ordinaire. Ça risque de mettre beaucoup de startups en situation potentielle de 725. Hein. Ça, c'est évidemment ce qu'un patron d'entreprise se pose tout de suite. Il n'y a pour l'instant aucune indication que ça pourrait être une dette subordonnée. A subordination of that debt. Peut-être vous avez des indications. Je comprends de nouveau, hein, Monsieur Muller, je l'ai dit en entrée, Didier, qu'on sait qu'on n'a pas toutes les informations, mais c'est à ce stade, qu'est-ce qu'on pense qui est… possible ou en tout cas qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce genre de situation. Et puis les autres, pour toutes les startups, voir que si vous avez des opérations à l'étranger, en fait tous ces prêts sont vraiment en priorité pour uniquement l'entité suisse. Et il y a encore une règle qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne peut pas rembourser, donc de bien vérifier en fait une fois qu'on prend cette garantie, il n'y a pas de possibilité de rembourser d'autres prêts, par exemple des prêts aux actionnaires ou des choses comme ça, avant qu'on ait remboursé. Mais ça, c'est plus un détail. Je crois que l'important, c'est plutôt ça. Donc, ça me permet de passer la parole peut-être. Alors, on a le plaisir d'accueillir, comme je l'ai dit, on a le plaisir d'accueillir Ronald Colliard. Je ne sais pas si je peux vous passer la parole en premier, Ronald, et ensuite à Didier, un peu comment vous percevez cette situation, quelles sont parmi les règles qu'on a évoquées, celles auxquelles vous faites, ou en tout cas vous appelez les startups à faire attention dans la situation actuelle. Et puis ensuite, on peut engager la discussion après avec les entrepreneurs Samir et Pierre qui partageront un peu leur expérience. Ronald ? Alors Ronald, juste, il ne faut pas oublier d'activer le micro. Désolé, c'est le mal du temps, c'est de faire le unmute pour être sûr que… On vous entend, je t'entendais tout à l'heure, je vous entendais tout à l'heure. Alors attendez, on va faire comme ça. J'ai de la peine à vous entendre, enfin je vous entends pas là. Sorry, ça c'est les joies du… Voilà, non. Est-ce qu'on arrive à avoir… Ronald, j'arrive toujours pas à avoir le son, je suis désolé. Alors je vais peut-être passer la parole dans l'intervalle jusqu'à ce que je vois que vous soyez unmuté, hein, qu'on ait réussi à avoir votre son. Alors Didier, on vient de vous entendre, je vous avais la voix, vous avez entendu la question. Quelques mots sur comment on perçoit votre, ou en tout cas du point de vue de la BCV, les questions qui sont maintenant autour de ces prêts et du support aux startups et aux plus petites entreprises. Alors volontiers. Et puis comme ça, ça me permet aussi de saluer Ronald pour le Crédit Suisse, en attendant qu'il prenne la parole. Je crois qu'il faut bien comprendre, je vais l'expliquer en français, que l'idée de la confédération qui est à l'origine de ces prêts, avec le soutien des banques, c'était d'intervenir très rapidement pour que les entreprises, d'une façon large, et pas seulement bien sûr les startups et les scale-up, puissent disposer de liquidités, pour éviter finalement que l'ensemble du système économique se grippe, que les entreprises ne puissent plus payer leur loyer, ne puissent plus payer les salaires, ce qui était une aide d'urgence. Comment ces prêts ils vont évoluer à l'avenir? Ce que l'on sait, c'est que la première tranche jusqu'à 500 000 qui est garantie entièrement par la Confédération, elle a pour but de se rembourser dans un délai de 5 ans. L'idée, c'était d'avoir un petit peu de temps et puis on verra certainement comment les choses vont se dérouler dans le temps.
Aujourd'hui, on entend, mais rien n'est pour l'instant établi, des demandes aussi d'entreprises de dire, mais est-ce qu'il faudra rembourser ces prêts ou pas? Je pense que c'était juste au départ de dire aux entreprises, c'est pas une subvention, c'est un montant d'aide d'urgence, mais dans l'optique, il faudra le rembourser. On imagine bien, et puis je pense aussi du côté de la Confédération, que si une société devait se retrouver, vous parliez de l'article 725, à un moment donné en difficulté, et puis qu'elle se retrouve en phase de liquidation à cause du prêt de la Confédération, vraisemblablement, il y aura une discussion à un moment donné avec la Confédération. Et je pense qu'on est très tôt aujourd'hui. Et puis l'objectif, c'était d'avoir, dans un délai de quelques heures, quelques jours, de la liquidité sur le compte des entreprises très rapidement. C'est, je crois, l'esprit dans lequel a été mis en place cette facilité. Il était aussi plus facile de le faire comme ça que d'octroyer des subventions à des entreprises. Il n'y avait pas de base légale non plus pour le faire, tandis qu'on avait un système de fonctionnement avec les coopératives de cautionnement qui permettait assez rapidement de mettre en place des prêts avec des garanties de cautionnement. Donc cette voie, elle a été choisie, la voie du prêt, je crois aussi, parce qu'elle était extrêmement rapide au départ. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais avec les informations qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être l'élément que je pouvais apporter. On voit aussi, puis ça je profite de le dire à tous les participants, beaucoup d'entreprises qui remplissent aujourd'hui les formulaires d'aide. Et puis si ça devait être le cas de certains d'entre vous, peut-être deux conseils. Ne vous précipitez pas, regardez bien, évaluez bien le besoin du montant que vous avez. Une fois qu'une entreprise a déposé une demande, elle ne peut pas revenir pour une deuxième. Donc si elle a demandé un montant, par exemple, de 400 000 francs d'aide, et puis qu'après elle se rend compte, elle dit non, j'aurais dû demander le maximum de 500 000 finalement qui est autorisé dans la première tranche. Elle ne peut pas venir demander 100 000 francs complémentaires. Elle a droit qu'à une demande. Une fois qu'une demande a été traitée, elle ne peut pas en demander une deuxième. Le système a été construit comme ça. Et puis faites aussi attention, on reçoit encore aujourd'hui, on en a discuté avec la Confédération, beaucoup de demandes qui sont remplies de façon incorrecte. C'est chaque entreprise qui doit remplir ce formulaire sur le site de la Confédération. Il n'est pas si évident, il y a quelques informations qu'il faut s'assurer qu'on remplisse bien. Certaines entreprises l'ont fait avec leur fiduciaire, par exemple, pour s'assurer qu'elles l'ont fait vraiment correctement, ce qui facilite après, bien sûr, le traitement, puis tout va beaucoup plus vite pour l'octroi du prêt et puis de l'aide. J'ai une petite question, Monsieur Muller. Là, si, donc j'ai bien compris d'une part que on n'a encore pas aujourd'hui de clarté, mais il y aura une discussion très probablement concernant le fait qu'au moment où ça devient vraiment en 2022, quand ça doit être inscrit, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui regardent deux étapes. Il y en a une qui est le fait qu'il faudra rembourser avec le temps, mais il y a l'autre que si j'ai bien compris la mécanique, une fois qu'on a le prêt, ça rentrera vraiment au bilan d'ici à 2 ans, non? Donc c'est à ce moment-là qu'il y aurait un tournant en tout cas important si la dette n'est pas subordonnée à ce moment-là. Qu'il y aura pour beaucoup d'entreprises qu'elles pourraient se retrouver, si elles sont même en phase de remboursement, avec un problème. Est-ce que là, vous avez peut-être un peu juste un point de clarté pour les entreprises qui font cette demande et qui commenceraient à utiliser le prêt? Alors, ma compréhension du dispositif, et puis on était dedans depuis le début, mais je partage volontiers avec aussi la vision de Crédit Suisse, c'est que à partir du moment où la société a sollicité ce prêt, au niveau de son bilan, ce prêt, il va finalement immédiatement être dans sa comptabilité. C'est peut-être la phase de remboursement du prêt qui ne va pas intervenir tout de suite et qui pourra être décalée dans le temps. On n'a pas, évidemment, je pense, toutes les banques vocation à dire on met en place ce prêt avec l'aide de la Confédération pour amener de la liquidité rapidement et puis de dire à partir de cet été, vous allez commencer à devoir rembourser le prêt. Donc, je pense que le remboursement, il va se décaler. J'ai effectivement entendu parler de 2 ans avant de commencer à rembourser sur les 3 dernières années de la durée du prêt qui est fixée à 5 ans. Par contre, je pense que comptablement, même si le prêt est cautionné par la Confédération, l'entreprise devra le mentionner dans son bilan dès le départ, selon ma compréhension. D'accord. En fait, j'ai cru comprendre, lorsque moi j'ai lu, que des avocats m'ont mis en avant, là je remercie nos amis, évidemment, Kelleher, Zides, plusieurs m'ont dit attention, et qu'apparemment il semblerait qu'il y ait un article du COVID Bridge Lunch qui spécifie que, en fait, jusqu'au 31 mars 2020, ça veut dire que c'est à partir de, donc,
à partir seulement du 1er avril 2022, ça devient une dette ordinaire. C'est peut-être un détail technique, mais c'est vrai que c'est quand même important. Mais bon, je crois que c'est important pour toutes les startups de bien comprendre à quel moment ça rentrera dans le bilan. Merci beaucoup. Je crois que peut-être qu'un complément de Ronald, si vous voulez voir comment oui. vous voyez ça du point de vue Crédit Suisse. Oui, très volontiers. Vous m'entendez? Oui, maintenant, on t'entend bien. Désolé du contretemps. Je suis sur un smartphone, donc je pense que ça bug encore un petit peu plus. J'ai entendu ce qu'a dit Didier, que je salue aussi, bien sûr. Donc, moi, je suis responsable du startup Suisse Romande au Crédit Suisse. Et puis, le but, c'est de participer à l'écosystème startup, en gros, pour me présenter. Hein, et puis, supporter les startups directement. Puis, bien sûr, être un ambassadeur du monde des startups au niveau de la banque. Par rapport à la question qui vient d'être adressée, je suis un peu comme Didier. Je n'ai pas effectivement la réponse exacte à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à comment seront comptabilisées ces dettes. Est-ce qu'il y aura effectivement, finalement, pendant 2 ans, une tolérance par rapport à l'article 725 sur ces dettes-là? Quand commenceront les remboursements? Je pense que la Confédération, elle a fait juste, c'est qu'elle a voulu aller très vite. Donc, très vite, ça veut dire aujourd'hui, très rapidement, donner des crédits aux entreprises qui en ont besoin. Et les questions suivantes, je pense qu'il y a des choses qui seront réglées un peu après et on va l'entendre. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont devoir, qui vont vouloir rembourser ou vont pouvoir uniquement rembourser de manière très lente, on va dire, à long terme. Là, on parle effectivement environ de 5 ans parce qu'ils seront touchés, donc pas les moyens d'aller plus vite. Et puis, il y a aussi des gens qui ont des problèmes de trésorerie pure qui vont durer peut-être moins longtemps. Et puis, pour qui, en fait, le but sera de pouvoir rembourser très rapidement. Et je pense qu'il y a une partie de ces prêts qui pourraient, si la crise ne perdure pas trop longtemps, être aussi remboursés très rapidement. Peut-être, moi, j'ai juste un mot par rapport, effectivement, aux startups. Un peu les oublier quand même de ce plan-là, il est vrai, puisque c'est 10% du chiffre d'affaires. Il y a aussi cette condition pour les startups. Mais là, on parle d'entreprises créées depuis 2019 jusqu'à mars 2020. De calculer trois fois leur masse salariale annuelle, mais ensuite capé à 500 000 et puis 10% de ces 500 000. Alors, c'est vrai que ça répond à des startups vraiment early stage qui sont encore que 2, 3, 4 employés et puis qui, cette permettra effectivement de dégager des liquidités pour payer les loyers et puis les salaires sur quelques mois. Mais ça ne répond pas à toute l'autre partie de start-up, les scale-up bien entendu, puis toutes les start-up qui sont déjà un peu plus matures. Alors nous, on est conscient de ça. Nous, on l'a remonté aussi au niveau de la banque. Le top management chez nous a été partie prenante dans les négociations, dans les discussions. On a discuté beaucoup avec les autorités fédérales sur ce plan-là. Et puis, donc on a remonté à ces gens-là cette problématique des startups pour essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, comme le disait Raphaël aussi en début, il n'y a pas aujourd'hui de communication de la Confédération là-dessus. On espère quand même qu'il puisse y avoir un calcul qui soit plus juste par rapport à ça, parce que je rejoins totalement ce qui a été dit jusqu'à maintenant, où les soucis des startups, c'est quand même voilà, des projets de développement qui sont, vous savez mieux que moi, qui sont repoussés, mais c'est aussi par exemple, bien sûr, et là je vous rejoins aussi, la difficulté probable à trouver un montant d'investissement lors des prochaines levées de fonds, ceux qui doivent lever des fonds dans les prochains mois, puisque les investisseurs qui eux-mêmes ont souffert probablement pas mal de la crise sur leur fortune personnelle ont peut-être un peu moins d'appétit aujourd'hui à investir dans les startups. Donc voilà ce que je voulais dire de mon côté, c'est surtout qu'on essaye nous de faire du bruit aussi pour vous. Et puis que n'hésitez pas effectivement à nous contacter, on peut essayer de trouver des solutions individuelles. Je suis très heureux aussi d'entendre ce que j'ai pu entendre par le canton. Je crois que le canton de Vaud joue un rôle prépondérant aussi dans le soutien aux startups et conscient de l'importance que ça a au niveau de l'économie locale, cantonale. Et puis on est aussi en contact bien sûr avec ces gens-là, mais je salue ces initiatives-là. Je pense que toutes les initiatives sont les bienvenues. D'accord. Merci beaucoup, Ronald. Donc, je crois qu'il y a aussi un message qui est de voir avec chaque banque. On avait déjà vu ça dans le dernier séminaire que chaque banque. Monsieur Muller ou Ronald, je crois qu'une des choses qui s'est posée, une des questions qui se pose, c'est de dire aujourd'hui, les startups peuvent appliquer une seule fois. Il y a un certain lobbying pour dire est-ce qu'on pourra faire évoluer les critères au niveau fédéral.
Admettons, alors je ne sais pas si vous pensez qu'il y a peut-être une chance que les critères évoluent un peu au niveau fédéral, et le cas échéant, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y aura une deuxième chance de poser une deuxième demande si ces critères devaient évoluer, par exemple avec ce qu'on essaye de voir maintenant pour que d'autres critères, on a parlé de la masse salariale qui est déjà prise en compte, mais qu'elle puisse être augmentée, ou alors que les investissements puissent être pris en compte ou qu'il y ait différents aspects là-dessus. Est-ce que vous avez une idée si éventuellement il y aura une deuxième possibilité plus tard si les critères devaient changer? Alors, comme je disais, je pense qu'il y a du bruit qui est fait à ce niveau-là. Moi, ce que je conseille aux startups, vraiment aujourd'hui, elles peuvent appliquer pour soit leur 10% de chiffre d'affaires, qui souvent n'est pas très grand pour l'instant, ce qui est logique, ou soit cette masse salariale, mais finalement, elles sont toutes entre 50, 60, 70 000 francs peut-être maximum si on parle de chiffre d'affaires, de prêts liés au chiffre d'affaires. Ces montants souvent, dans la plupart des startups que nous on a, sont peut-être pas nécessaires. Tout de suite, comme tu le disais avant, la liquidité à court terme n'est pas le facteur principal pour ces startups. Moi, je conseille d'attendre un petit peu. Il n'y a pas d'urgence pour les prêts Confédération puisqu'ils sont applicables jusqu'au mois de juillet. On peut demander ces prêts jusqu'au mois de juillet. D'accord. Alors, sans attendre l'extrême, d'attendre 3 mois là-dessus, je pense que d'attendre un tout petit peu, 1-2 semaines pour voir si effectivement quelque chose bouge au niveau fédéral. Ça peut peut-être faire du sens parce que peut-être qu'effectivement, ça sera autre chose que simplement ces prêts Covid comme on les connaît aujourd'hui. Peut-être que ça sera effectivement une adaptation du calcul pour les startups qui permettrait aux startups d'appliquer pour un montant supérieur. Et puis dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux attendre un petit peu et puis leur relancer la demande dans 10 jours ou dans 2 semaines. Voilà un petit peu mon conseil pour l'instant à court terme. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, M. Muller, dans la même direction, même question peut-être? Volontiers. Alors, effectivement, il y a ce délai dans l'ordonnance au 31 juillet. Donc, il n'y a pas d'urgence. Si une start-up elle a encore suffisamment de liquidité, elle peut patienter un tout petit peu pour sa demande. On est effectivement en contact. Moi, je participe aux conférences téléphoniques avec le SECO et les banques partenaires. Puis, je crois qu'au niveau de la Confédération, il y a une vraie écoute de chaque situation plus particulière. C'est vrai qu'il a fallu aller vite et puis que l'idée y était de toucher le maximum d'entreprises, on va dire, de l'économie plus normale. À fur et à mesure qu'on remonte des problématiques comme celle des startups, il y a une écoute très attentive de la part du secrétariat à l'économie et puis de la Confédération. Je pense qu'ils vont devoir aussi adapter le dispositif. Ils le suivent très attentivement de jour en jour. L'idée étant de pouvoir adapter au cas par cas. Je ne crois pas qu'on a une vision, en tout cas de la part de la Confédération, qu'on ressent comme quelque chose de très strict, mais plutôt quelque chose qui se veut très adaptatif par rapport aux soucis que l'économie peut avoir aujourd'hui. Ils sont vraiment à l'écoute et puis au contraire, ils essayent d'être très réactifs pour trouver des solutions. D'accord. Merci beaucoup. Et puis effectivement, j'ai une confirmation d'un des participants que je salue, merci Aurélien, qui dit que dans l'article 24, il a effectivement mentionné que les crédits ne seront pas pris en compte en tant que capitaux de tiers jusqu'au 31 mars 2022. Donc effectivement, ça fait que jusqu'au 31 mars 2022, en ayant ce prêt activé, on n'aurait pas, les startups ne seraient pas en 725. À partir du 31 mars 2022, ça risque de poser une vraie question. Et puis dans l'intervalle, c'est une question de savoir où tout sera inscrit et sous quelle forme. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y a maintenant comme aspect. J'aimerais donner la parole aux entrepreneurs. Messieurs, Ronald et Didier, merci beaucoup déjà pour vos inputs. J'aimerais maintenant donner la parole aux entrepreneurs. On a le plaisir, we have the pleasure to welcome Pierre and Samir. I know many of you are here, so we had the pleasure. Yes, thank you. And thank you, Didier. I had your pick. Didier, j'avais préparé un slide et une photo au moins que vous soyez représenté ici. Et j'aimerais passer la parole à Pierre. Pierre, merci beaucoup d'être avec nous, de partager ton expérience sur comment partager cette crise en ce moment, partager comment revenir maintenant sur ou en tout cas adresser ça en tant que chef d'entreprise. Et puis, je te passe la parole. J'ai les quelques slides que tu m'as envoyés. Peut-être une petite introduction d'abord de SpotMe. Oui, merci Jordi. Good morning, everyone. I've been told this has to be in English. Thank you for having me. This is going to be fun. It feels also a little bit less lonely to hear everyone here sharing their experiences. So in a nutshell, SpotMe, it was a company called Shockfish about 20 years ago.
what we do, and perhaps if anyone had to pick the worst business to be in today, that's probably ours. So we have a platform that helps people building mobile apps for corporate events. And just to be very sure, corporate events that take place in person. Essentially, that business is illegal today because in most countries we operate, both travel and gathering, meeting with more than five people, are simply outlawed. We have about 5 million users, and all apps that our clients build are typically for more than 100 people. And of course, none of this exists anymore today. To give you some figures, it's $21 million revenue, about 140 employees, half of it in Switzerland, the rest in the US, in New York, Chicago, and in some other countries. We were very, very quick to feel the impact of COVID-19 because we are in Singapore. And that was already in mid-January, we started to see the first cancellations. And it's impacting us worldwide since early March. And our bookings, which are typically in the 2-3 million per month, are now down 90% for the month of March. And bookings for us immediately translate into cash. So you can imagine what that means. Now, we've reacted, and I think the beauty of being impacted early is that you also have to react early. And the one thing I wanted to share on how you communicate with the team, and that was a big, big learning for me. We do mobile apps, so every day I post a video on our internal mobile app. But I started by reassuring people. But then I also realized that I knew nothing about this. And so reassurances are just not the right thing to do. I think what people need to know now are facts and decisions that are taken. And so I've shifted my communication and being very factual. I've shared the cash runway and not runaway, as it says here, so that people can make their own, you know, can have a better understanding of the situation. We went to a very thorough liquidity stress testing. We assume at the worst case, we assume that customer will stop paying. Although all our customers are Fortune 500, we've seen things in the United States right now that do not look good at all. And we assume that other companies in Europe will follow. We also assume no new bookings, and we assume so until September, November. And of course, in all our plans, we try to maximize the runway, and we also, of course, try to avoid the infamous 725 trap, which is key. We've secured all credit lines. I don't know how to say that, but all banks and governments have been doing an outstanding job. Kudos for the BCV in our case. We were amongst the first ones to apply for the government loan. Literally, we got the answer in 6 hours, and the cash was there the next day. We've also drawn 100% of our credit lines, which means we're paying interest. But I think in these days, we need maximum security here. I think that was the goal. If I compare to the US, where President Trump announced about 3 weeks ago small business loans, there's still nothing that happened. I think you can all be very proud of what you've achieved in 10 days. I think it's a fantastic job. On the revenue front, of course, we have our recurring revenue, which will, you know, stay. But we also have to focus on alternative traction metrics because we don't assume new revenue coming in, at least for some time. So we look at inbounds, we look at demos, and we incentivize our team around these numbers, right? They're non-revenue metrics, but they show traction. And of course, everyone is asking, how do you avoid the 725? Well, there's only one way to do this, is to cut your costs. So again, we were very first to apply for réduction d'horaire de travail. That was very, very quickly granted for our professional services team, which is half the team in Switzerland. Mostly in other countries, we just went to a cycle of staff reduction. In the US, you have this thing called furlough, where you can basically keep people on contracts, but you stop paying them or you reduce their pay. We reduced work hours with other countries as well, and the entire exec team took a pay cut. Overall, in 2 weeks, we've managed to reduce our gross burn rate by about 40%.
which was quite an achievement, but it's a necessary one. And we've now significantly extended our runway. One thing that I did, didn't think about it in the first place, I called all my competitors in the United States, and I realized that we actually were in a very good position compared to others. And I also realized that the marketplace is going to be very clean when this is over, assuming you're going to be the last one standing. So it means that all of this exercise makes total sense, even though it means taking more debt, even though it means making some deep losses. And of course, it also means that we quickly needed to pivot, and we can go to the next slide. So we very quickly figured out that the world is going to be very different because our customers are not able to run live events. They instantly wanted to run Zoom meetings like this one today, but they also realized that there's something missing here. So within 10 days, we actually launched a new product. We repurposed our existing product and we launched it. We actually had a virtual launch event last week. And although we see a huge interest from that, today we don't really see anyone signing a lot of checks in the next coming month, but we see this as a very, very strong pivot for us in the coming 6 to 12 months. So I think that's it from my side. I don't know if Jordi, you had any questions or on your side, happy to take them. No, I mean, first, I want to thank you very much for sharing your experience. I can confirm from the perspective also of other testimonies I have here that we have to thank the banks have been extremely proactive, BCV, Credit Suisse, in granting these guarantees. So that's very good to hear. And also for the RHT, I think it confirms the importance of speed here to make sure the machine keeps working. I'm also thank you very much for your experience, at least on how you addressed. I think that what we come here, and I come back to your slide of the action plan, which for those who see the slide is really a small checklist going from people to checking your liquidity, a choice on how you communicate. Needless to say, I think that's for many of the entrepreneurs here, food for thought and even a structure in order to address these. I think that I'm checking into our questions, and then I will give the word to Samir, and then we'll go into a more open question and answer, because there are probably questions who are coming from there is maybe a question coming from the audience here, maybe a quick question to you, Pierre. How did the team, how did the team react to the staff reduction? I think that's one of the core questions that is always, at the top list of any head or any CEO, How did you announce it, and how was the reaction behavior of the staff? Yeah, it's one of the most difficult things to do, because this is given to circumstances totally out of their control and out of our control as well. And it's even harder because you have to do it over video. You can't actually meet the people face to face. So I addressed the company on Friday with a video message, and I explained the extent of it. And then we actually did this yesterday. It's fascinating because I think people have been really understanding and supportive. This being said, we went to great length to make sure we provide good support, that we minimize it where it could be minimized. I mean, especially in Switzerland, I think the RHT is excellent in that sense. There's no reason to not use it. One thing is we made it across the board. It's for every department. Some departments are of course more impacted than others, but everyone does it. One thing, I don't know, but one thing that I've heard from some people is that hearing the exec team was also chipping in, that showed a very important signal. And we'll see. They also understand the market out there is not nice for looking for jobs. But so far, good support from the team. Thank you very much, Pierre. Samir, I think it's a great pleasure. You're in a different situation, and you will explain rapidly what Flybotics does. So I will give you the floor, Samir. We have the pleasure to welcome the founder and CEO, Samir Bouabdallah, of Flybotics.
And just maybe so a few words, Samir, about your current situation and how you're managing right now. So, all right. So good morning, everyone. Happy with you. Happy to be with you this morning. So I'm happy that Jordi gave me the opportunity to speak, and I'm quite complimentary to, let's say, what has been discussed just before for the company SpotMe, because we are in quite different situation. We have been lucky enough to close around 2 weeks before the crisis, but that's not the end of the story, of course. The question is of course, still short term, but mostly for us, it was what will happen in 6 or 12 months, what will happen, or how long will the economic or the impact of the economic crisis last. So we try to look at what happened with the SARS crisis, for instance. This is just a graph showing the activity of the airline companies that recovered 100% of their activities after 6-7 months after the start of the crisis in 2003. So I'm talking about the SARS crisis. Of course, this time is different. The impact is bigger. So probably the economic impact will last more. So we can go to the next slide, please, Jordi. So of course we tried to react very quickly at Flybotics by establishing a scenario with the worst and best case. So we simply took a slide, put on it the development and sales roadmap. We also put on the same time axis the cash runway and the estimated duration of the crisis, economic impact, and we put all this together to have a clearer view. And it did help. We organized a board meeting to think about it collectively, and it did help because it gave us basically the probability somehow, and gave us a better picture about what might happen. So I must say that we don't have a product yet on the market. So when you talk about RHT, it's not sure that we are eligible for that. When you talk about the loan, we don't have a turnover yet. So it's not sure that we are eligible. So we are also in that case there, where we have to think or make a choice between continuing the development to get the product and be on the market, or save or reduce the cash burning rate and then try to survive for longer. So this leads us to the next slide. Jordi, please. Thank you. So I think for a company like us without a product yet on the market, It's extremely important to continue the development and basically at the same time try to keep the burn rate under control. So it's a very difficult equation. Everybody is trying to do the same, of course, but we have materialized this policy by postponing the recruitments. Just for your information, if you try to hire or you plan to hire a person for the 1st of April and then you try to request the RHT for that, it's not possible. So we got an answer from the Service de l'Emploi saying that it doesn't work that way. So you basically need to postpone that recruitment. So what we did is that we replaced that need by hiring some consultants for short term, such that you can somehow keep the control on the costs. In parallel, we requested the support from the state. So as I said, we don't have the right of the loan and the RHT. So what we did is we continue requesting the SPEI supports, and they do answer rather quickly and decide rather more quickly than before. I thank them deeply for that. And last but not least, we support the startup-friendly initiatives like this webinar and all the actions that are going on here and also through the social media. Voilà, that's it. I don't know if there are questions or more other comments.
Let me unmute myself from watching. There are questions, and thank you, Samir, for sharing also a different position, of course, a company that is in the current development, and I think typically who has no turnover now, but has had investments, and we'll see how they can benefit from the different supports. Merci beaucoup à tous. At this stage, what I will do is we usually take more question and answer, and also invite more people on the panel who have questions or testimonies they want to share. At this stage, we usually have the pleasure to welcome some people from the different regions. I will take maybe we see entrepreneurs that we know. So that's the moment where you can raise your hand and come. Please join us if you have, of course, questions that are related to the current situation we had already, and we welcome. So I will now promote maybe as panelists quickly. I know I just want to mention that some of our entrepreneurs had to, or at least I wanted to say thank you to Patrick Barber, who had to leave us as he had another meeting coming up. And we have the pleasure to have also Caroline Graf from Innovo, who will be able to answer the questions from the Innovo side. I'd like to welcome some of the entrepreneurs. Maybe I will bring you, Saad, it will be having you also. So I will bring Saad here. And Saad, it's great if you can start your video, make a very short intro about you and maybe your questions or contributions. So at this stage, to everyone, it's a pleasure that to start welcoming entrepreneurs as we did last time, and have a few words from your end. Saad, I think we see you. Do we hear you? Absolutely, I guess so. Great. So welcome on the panel. A pleasure. I have and it's a pleasure to have you now and to listen to your question. Thanks again, everyone. Thanks, Jordi. Thanks, Rafael, and all the team for doing all this. And it's very, very supportive and emotionally reassuring also. We're not alone. So, Saad Harty, I'm the founder and CEO of Legacy Healthcare. We are a biopharma company. I have to say that we're particularly one sense is that we have almost grown the company without VC money so far, just by starting to sell some of our product early on. We have had several hard issues without cash. Again, we're self-funded, so we have very little runway. I have to tell you, I had never had more than 3 to 6 months of cash in front of me. So running with three wheels outside of the road has been something I've been used to. But we've been also through real near-death experience. And one thing I could advise you all to do when I hear scenario one, scenario two, there is something always that comes, is that people always think of a scenario, there is always it's a good or a little less good scenario. I urgently recommend you to also look at a scenario where you can go bankrupt. And this is not a bad word. This happens. This is real life. Why? Because when you start envisioning this scenario, the first thing you start thinking is, how can I protect the assets? Obviously, we are all startups. The first asset you have is your team, is your people. But if at some point in time you can't pay them any longer, they will have to go elsewhere. And that's absolutely normal. The thing is, you have patents also, you have brands, you have many valuable things, which if you don't protect them early on, you may lose them. But if you have still your patents and you have still those hardcore assets in your company, you may restart at some point in time. You may put maybe the company in silent mode, in sleeping mode for a while, and restart it in a better time. So I really urge you to also consider scenarios where you have to close shop. So if you have to close shop, what do you need to do to protect your key assets, your patents, your brands, your knowledge, etc.? So these are things you should be looking at, because the day you have to face the cliff, it's a cliff. It's one day to the next. You have really no more time. So this has to be done before, so that you don't lose it all. That's the contribution I wanted to make. Thank you very much for sharing this. Needless to say that it is in every entrepreneur's mind that has gone through this experience, and it is something very good to share with all the new entrepreneurs. I went through back in 2000 when we had the bubble, and thank you for bringing this back on the table. Definitely important for the people when you are planning your scenario. You do need to make sure that the ability to rebound, and I think that's what you are protecting here, is really
the scenario of rebounding if you have to close the company at some point, and how would that be working? I know that we still have Ronald and Didier online, and maybe it's also for you, for the bank, on this point. I don't know if you want to add. I know it's a very, of course, particular point, but you will be dealing with a lot of companies in the future, maybe Didier, and I'm sure that you know that some of these companies might not survive. Is there any particular advice or pointer that you would like to take here? Didier, est-ce que vous nous entendez? Je suis là. Ouais, donc je pense que vous avez entendu le point et on va passer en français. Je crois que c'est une des choses qu'inévitablement il va falloir regarder en face et être réaliste que beaucoup d'entreprises ne vont pas survivre en dépit de tous les efforts qu'elles vont faire maintenant. Et comment vous, quels sont peut-être les quelques conseils, comme le partageait Sahad, de dire ben là à ce moment il faut quand même aussi avoir un des scénarios qui est qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas. Et quels sont peut-être les pointeurs, les conseils que vous avez dans ce type de scénario à ce stade en tout cas? Un des conseils le plus important quand une entreprise, quelle qu'elle soit, fait face à des difficultés, c'est d'intervenir très tôt, d'anticiper le plus possible avec tous les partenaires, tous les stakeholders, que ce soit les partenaires financiers, les actionnaires, effectivement, de prendre les choses en amont et puis de communiquer pour essayer de trouver des solutions. C'est toujours plus facile et puis on a plus de chances de pouvoir redresser l'entreprise si toutes les parties prenantes sont finalement solidaires dans les efforts et puis interviennent très tôt et en amont. Donc, pour avoir accompagné beaucoup d'entreprises en difficulté aussi au cours de ma carrière avec les PME, c'est souvent ces entreprises qui arrivent à trouver une solution, elles s'y prennent très tôt et toutes les parties prenantes interviennent. Chacun fait finalement des efforts et participe au redressement de l'entreprise. C'est aussi important, bien sûr, que les dirigeants et les actionnaires montrent la voie au niveau des efforts et des soutiens qu'ils peuvent faire à l'entreprise. D'accord. Ronald, je ne sais pas si vous voulez complémenter. Non, je crois que Didier était très, très clair et complet sur ce point-là. Je rebondis aussi sur l'intervention du CEO d'un startup, qu'effectivement, je crois qu'il faut pouvoir faire ces scénarios le plus rapidement possible pour pouvoir prioriser qu'est-ce qui est vraiment qui pour la survie ou pour le redémarrage un jour ou l'autre, et puis prendre les décisions très rapidement pour le reste, même si elles sont parfois compliquées et difficiles. Je pense que c'est, on l'a bien compris dans les deux présentations, trois présentations de start-up, qu'elles sont conscientes de ça, mais c'est vraiment un point important. Adresser les vrais problèmes et puis se focaliser sur ce qui est clé pour le redémarrage. D'accord. Merci beaucoup. On a deux entrepreneurs qui nous rejoignent, mais j'ai une autre question que je pourrais répondre live qui va pour Raphaël. Il y a une des questions qui est par rapport aux grants actuels du SPEI. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des changements vis-à-vis des pourcents de capital expenditure? C'est une question qui est sur le question and answer, donc sur la question-réponse live. Peut-être que Raphaël, est-ce que tu souhaites y répondre en live maintenant? Est-ce qu'il y a un changement, donc, considérant la situation? Est-ce qu'il faut encore avoir, pour avoir les grants, est-ce qu'il faut encore avoir des expenses externes? No, thank you for the question. There is no, basically no change in regard with our usual and normal grant practice. But the idea, as I mentioned before, is to come with a new loan, something more flexible, probably even more flexible than the Confederation in terms of reimbursement. But this will be a loan and no direct cash, no incentive with direct cash, which would be not refundable. So, but I think the idea, as mentioned before, is to provide a new kind of funding with a loan that no interest, as the with also no, of course, personal guarantee. Something the same as the FIT Tech Seed, the one currently up to 100,000 Swiss francs. So it could go up to 300,000. To really cover the needs of cash and in order to gain some time for startup to get refunded or to get
also the approval from the current investors, shareholders for going a little bit further. So yeah, I think we wouldn't, I mean, for us, we have really also discussed with our ministers, should we extend the program in terms of cash? But the thing is, as you know, we also support manufacturing companies. So there are basically 5,000 eligible companies if we consider all the different type of industries and companies. So if we would go, I don't know, for up to 100,000 Swiss francs in cash, not refundable cash, it wouldn't be something we could afford. So the idea is basically to keep on doing our best with our ordinary regime to be even faster. So please do not hesitate to come back to us for any requests and to have this new funding, hopefully through the FIT, as long as our government and FIT accept it. There is, I think, an important point here that's maybe very specific canton de Vaud, Raphaël, tu peux le faire aussi en français, concernant évidemment la question des FIT loans. Donc il y a la discussion sur les prêts FIT et la correspondance, on va dire, avec ces supports qui viennent tant au niveau de la Confédération maintenant, les garanties, et ceux qui viendront au niveau des cantons. Donc ce que va faire le canton de Vaud, typiquement, est-ce que c'est possible d'ajouter le prêt FIT et peut-être les nouveaux supports du canton ou les supports de la Confédération? Est-ce qu'il y a une idée là-dessus? Je crois qu'il y a déjà en tout cas peut-être une clarification sur l'articulation entre ce qui est fait au niveau de la FIT et ce qui sera ensuite rajouté potentiellement par le canton ou la Confédération. Alors, je dirais qu'il y a d'abord deux choses. Tant au niveau du canton que de la FIT, les programmes ordinaires, c'est-à-dire les aides ordinaires pour des startups qui ont démarré, continuent d'être déployés, ça c'est clair. Après, pour les nouveaux, les crédits cautionnés de la Confédération et le potentiel prêt de la FIT, le spécial COVID qui serait octroyé, là, il faudra toutes les sociétés qui font un peu de chiffre d'affaires, une société qui fait même, allez, je ne sais pas moi, 400 000 de chiffre d'affaires, 500 000, d'aller déjà chercher un crédit cautionné par la banque. Puis ensuite, le solde pour être le concept tel qu'il était prévu, c'est de pouvoir venir le chercher à la FIT en complément sur la base de certains critères, trois fois la masse salariale, jusqu'à 300 000, avec quelque chose qui serait aussi idéalement octroyé assez rapidement. Et de manière assez, une fois que les critères d'éligibilité sont remplis, de pouvoir le faire de manière efficace et rapide. D'accord. Voilà, donc, mais il y a la possibilité de faire appel aux deux. L'outil doit être subsidiaire. Si une société a déjà du chiffre d'affaires, si elle a déjà, par exemple, 2 millions de chiffre d'affaires, il faudrait aller chercher 200 000 de crédits cautionnés avec le dispositif fédéral. Et puis, il y aurait encore 100 000 pour venir à la FIT potentiellement s'il y a des besoins additionnels. Mais l'idée, ce n'est pas de tout mixer. Et puis, la FIT, s'il y a des demandes dans le régime ordinaire, elle va les traiter. Là, on devra analyser au cas par cas quand même les besoins par rapport à la problème de liquidité, au problème de liquidité, mais aussi au problème de cash burn quand arrive l'échéance avant une nouvelle levée de fonds. Où en est la négociation? Est-ce que la levée de fonds a été stoppé de part aussi la question de la crise du Covid et ces éléments-là, il faudra qu'on puisse évidemment avoir une base pour une analyse rapide et efficace, mais c'est quand même d'avoir un prêt qui est basé sur le besoin de liquidité dans un contexte particulier avec un probable report d'une levée de fonds qui était prévue dans les 6 à 8 prochains mois. D'accord. Alors, je vois qu'il y a aussi des entrepreneurs qui nous ont joints. On accueille l'entrepreneur de SimCool qui… Alors, je vais demander à tous les entrepreneurs que je mets maintenant online. Et il y a aussi Edouard qui nous a rejoints, Infinity. Donc, la parole est à vous. Juste d'être sûr, d'être bref et que la question soit directed, comme on dit, le plus clair possible et aussi pour l'intervenant. Alors, on vous entend. Juste une brève introduction. Oui. Bonjour tout le monde, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend, c'est bon. Ah voilà, oui, donc je suis Tigori Aka, CEO de la startup SimCool Suisse. Donc nous sommes basés à Genève, c'est la deuxième participation. J'avais assisté déjà le vendredi dernier. Alors ma question va vers Monsieur Colliard. Donc en fait, je voudrais savoir ce crédit de la Confédération qui de toute façon sera remboursé.
mais à travers le canal donc de, par exemple, Crédit Suisse comme banque. Ma question est de savoir, est-ce que les conditions de la les conditions que la Confédération impose et les conditions que la banque impose, ici il y a une différence et puis de temps. Et puis la deuxième question, c'est une fois que l'argent est octroyé, est-ce que la banque met en place quand même un suivi ou un accompagnement sur le plan commercial, puisque l'objectif c'est quand même de pouvoir rembourser cet argent? Oui, merci de votre question. On m'entend, hein, c'est bon, ouais. Oui, on vous entend. On ne vous voit plus, on ne te voit plus, Ronald. Oui, alors, on ne voit plus. Ouais. Moi non plus, on ne me voit pas. Voilà. Et après, si possible, avoir votre adresse email, M. Collier. Oui, très volontiers, je la transmettrai. Oui, par rapport à la question, donc ces prêts sont mis à disposition de manière extrêmement rapide par les banques. Il suffit de télécharger le formulaire et puis de le transmettre à sa banque par différents moyens, email ou par les e-banking sur Google Bank. Les conditions, elles sont donc de 0% hein, jusqu'à 500 000 francs, elles sont bien de 0% et pas de frais. Je crois que toutes les banques effectivement s'engagent à pratiquer cette tarification-là. Et puis l'argent est simplement mis sur le compte du client de manière très rapide, quelques minutes ou quelques heures plus tard en général. Par rapport au suivi commercial, bien sûr que ça implique que ces prêts soient par la suite remboursés. De toute façon, je crois que les gens qui font appel à ces aides doivent être clients de la banque, donc ont probablement déjà un contact avec un responsable de relation. Mais c'est vrai que ces contacts vont s'intensifier puisqu'il y aura la problématique du remboursement de cette dette. Donc, le but de la banque, et puis là, je pense que la BCE nous rejoint aussi, c'est de pouvoir vous accompagner derrière et puis de pouvoir définir comment prévoir un plan de remboursement par rapport à ça. Mais c'est vrai que nous, on est totalement garanti par la pré-confédération, donc on est vraiment à l'aise par rapport à ces crédits. Et puis notre rôle principal, c'est vrai qu'il est de pouvoir accompagner les startups, voilà, pour définir effectivement avec eux la suite. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Et votre adresse email, s'il vous plaît. Ouais, il a dit qu'il la partagerait. Merci beaucoup. Hein. Merci. Donc, ça, on peut merci le faire sur le chat. Edouard, on a le plaisir de t'avoir en ligne et on s'est déjà parlé la semaine dernière. Mais je dois aussi témoigner que ça s'est passé très vite avec la BCV. Je crois que ça, c'est une des choses qui aujourd'hui marche, en tout cas pour les startups qui en ont besoin. Je te passe la parole. Oui, merci. Oui, effectivement, j'ai juste un gros coup d'eau à la BCV, je suis sûr que le Crédit Suisse fait exactement la même chose. Le filing du loan a été fait mercredi chez nous et jeudi matin, l'argent était sur le compte. Donc, c'est vraiment chapeau. Ça part très rapidement. Bravo. Ma question est pour toi, Raphaël. À propos du level 2 de support, ok, on a bien compris que c'est rien n'est confirmé encore, mais peut-être un peu plus de détails sur comment est-ce que vous l'imaginez. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de mécanisme qui s'appuie sur des investisseurs et des shareholders. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail la vision là? Oui, l'idée, hein, je rappelle que c'est des choses qui doivent encore être stabilisées dans le cadre aussi après de la FIT, mais l'idée discutée à ce stade, ce serait de jusqu'à 300 000, donc trois fois la masse salariale, qui est le critère un petit peu minimum avec quelques critères de base, siège dans le canton de Vaud, au moins 5 emplois pour avoir aussi la volonté, c'est de maintenir l'emploi, les talents dans les startups et les scale-up. Puis le deuxième niveau, c'est vraiment pour les scale-up, les sociétés qui ont cette croissance rapide. Et là, l'idée, ce serait de pouvoir venir en matching jusqu'à 1 million, ce que la FIT n'a jamais fait. Alors, ce ne sera pas sur un nombre de dossiers hyper extensif, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi apporter aussi un leverage pour des investisseurs qui seraient un peu refroidi par la crise, évidemment, mais quand même suffisamment intéressé pour dire on remet un peu au capital de la société dans laquelle on a déjà investi. C'est peut-être plus un message vis-à-vis des investisseurs déjà existants pour les convaincre aussi avec un leverage de venir et d'avoir ce prêt sans intérêt qui serait un peu spécial par rapport à donner aussi un petit peu ce bridge pour permettre peut-être une levée plus conséquente à des scale-up. Voilà.
Et c'est vrai qu'en fonction du cash burn mensuel, l'aide peut être plus ou moins significative. 20 millions, ça peut être beaucoup comme ça peut être pas beaucoup. Hein. Quand on a à sortir 30 salaires à la fin du mois d'ingénieur, c'est vrai que voilà, après, on n'a pas j'ai envie de dire les montants. C'est clair que la Confédération, avec le système avec les banques, peut aller entre 500 000 et 20 millions. Alors, j'ai envie de dire, les scale-up qui ont déjà du chiffre d'affaires, ben, c'est clair qu'il faut aller avec le système de la Confédération. Mais maintenant, on est dans une sorte de in-between. Il y a aussi tous les secteurs à long cycle de développement, dans les sciences de la vie, où il n'y a pas de chiffre d'affaires du tout. Et il y a aussi des sociétés qui ont déjà cette capacité de scaler au niveau des emplois, qu'ils l'ont démontré. Et puis là, c'est aussi pour aider aussi le maintien des emplois et gagner un peu de temps sur une sorte de bridge loan jusqu'à 1 million pour les scale-up. OK. Merci. Merci beaucoup. Alors, on arrive tranquillement à la fin de ce webinaire, notre deuxième édition. Je crois qu'on va, au fur et à mesure que la situation évolue, on va en reproposer et partager avec les entrepreneurs. En tout cas, on vous remercie tous d'être avec nous. Je regarde maintenant, il y a encore quelques questions qui sont… en ligne et puis qui je pense vont pouvoir être répondues soit par écrit soit qui sont nécessairement directement alors là je vois qu'il y a encore une question effectivement sur qui vient uniquement sur le prêt FIT, le spécial COVID, ça serait ce prêt, si j'ai bien compris, lui il aurait comme critère ça serait pas justement, on passe de c'est toujours la question si c'est des salaires mensuels ou annuels. J'imagine que là, ça sera adapté en fonction des startups. Donc les fameux critères des prêts FIT complémentaires qui pourront être appliqués. Raphaël, est-ce que parce qu'on parlait de salaire et de masse salariale, c'est aussi une des questions. Est-ce que c'est annuel ou mensuel au sens le dernier mois? Ce serait ce qui est pensé actuellement, c'est 3 fois la masse salariale mensuelle en fait, comme critère pour mettre un plafond. D'accord, 3 fois la masse salariale mensuelle, probablement des derniers mois ou deux. C'est pas près une proportion de ce montant-là, c'est 3 fois la masse salariale jusqu'à concurrence de 300 000. D'accord, parfait. Donc je pense que ça répond. Ronald, éventuellement quelque chose à complémenter là-dessus? Oui, juste une petite question pratique. Je suis sur smartphone, je n'avais pas réussi à mettre mon adresse email. Ça ne fonctionne pas, c'est un peu petit, je pense. Si vous arrivez juste à la mettre sur la présentation, puisque ça a été demandé. D'accord, ouais. Alors je vais la partager sur le gentil, merci. Avec tous les participants. Je la partagerai directement sur la. Là, j'ai la possibilité de la mettre à tous les panélistes et tous les participants encore. Donc je vais la mettre là-dessus. D'accord? Question Jordi. Oui. J'interviens, j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la probabilité ou pas que le gouvernement suisse transforme les prêts bancaires cautionnés à 100% en des aides à fonds perdus, c'est-à-dire d'abandonner. J'ai répondu par écrit en disant que c'était probablement very unlikely. Ouais. Je te laisse complémenter de dire. Non, à vrai dire. Je sais qu'il y a effectivement ces questions-là qui se posent, mais je n'ai pas tous les insights au niveau des négociations politiques. Mais je doute qu'on arrive à simplement transformer les 20 milliards en aide à fonds perdus. La question que j'avais plus, c'était par rapport peut-être aux banques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà certaines flexibilités? Parce qu'il y a un remboursement prévu sur 5 ans. Je ne sais pas à quel point peut-être la Confédération sera aussi prête à rendre plus flexible, c'est-à-dire pas forcément transformer ça en aide à fonds perdu, mais donner peut-être plus de flexibilité au-delà même de 5 ans. Alors, il y a le 5 plus 2, 7 ans, mais est-ce qu'il y a déjà des discussions entre les banques et la Confédération à ce niveau-là, en dehors des aspects politiques? C'est peut-être plus une question pour nos deux peut-être représentants. Peut-être pour les personnes qui sont là, Monsieur Muller, Didier, est-ce que vous êtes encore là? Je suis là. Alors, dans les discussions que j'ai eues avec les autres banques, LCECO, les conférences téléphoniques, c'est un point qui n'a jamais été abordé pour l'instant. D'accord. Donc, et je pense, moi, je peux commenter là-dessus. Il y avait évidemment beaucoup, beaucoup de discussions à ce sujet-là, mais je crois que il n'y a pas de prévision aujourd'hui, en tout cas, d'avoir des nouveaux outils ou des donations ou des grants qui seraient donnés de façon à fond perdu à travers la Confédération. Je crois que, comme ça a été répété plusieurs fois, aujourd'hui, le plan d'action est vraiment d'assurer la liquidité auprès des startups, mais c'est une aide. C'est un débat, d'ailleurs, qui est en ligne, que vous pouvez suivre. J'ai mis il y a beaucoup de liens en ligne sur le débat qui a aussi une dimension politique, bien entendu, mais
je crois qu'on ne peut pas planifier, en tout cas, il ne faut pas préparer de scénario à l'heure d'aujourd'hui où ça serait des dons ou des donations à fonds perdus. Je crois que c'est vraiment dans l'esprit des aides aux entrepreneurs qui se flexibilisent, ou en tout cas qui vont trouver des critères pour aider les startups et s'adapter à la situation des startups, mais ça sera sous forme soit de garantie comme maintenant ou soit évidemment de support à l'investissement. Je crois que les mécanismes de grant vont se faire à travers d'autres mécanismes qui sont aujourd'hui des mécanismes de grants pour l'innovation, pour aider les startups à avoir des projets et toutes ces choses qui sont tout un panel probablement qu'on va aborder dans des futurs webinars. Il est maintenant bientôt 10 heures. On avait prévu plus ou moins d'arriver à ce stade. Donc, je regarde s'il y a encore des questions ou d'autres entrepreneurs qui veulent se joindre à nous. Je dois juste encore mettre, dès que j'ai fini cette présentation, en tout cas cette fin de séminaire, je vais encore mettre à tous les attendees le mail de Ronald sur le chat. J'en profite alors maintenant en conclusion pour vraiment remercier tous les participants, remercier les speakers qui nous ont rejoints. Merci beaucoup à Raphaël, merci beaucoup à Patrick et à toute l'équipe, à Caroline qui se dévoue énormément évidemment pour aider les startups. J'aimerais remercier mon équipe aussi qui m'aide à mettre ça en place en flux tendu, on va dire. Je crois qu'on voit à quel point c'est important de pouvoir partager, en tout cas de pouvoir partager beaucoup d'informations. Je regarde juste ici s'il y a encore. Il y a Luca qui veut nous rejoindre. J'aimerais encore, alors évidemment, ça me fera plaisir aussi de voir un de nos entrepreneurs de la région qui nous rejoint, Luca Randazzo, qui sera probablement la dernière personne que je vais mettre en ligne pour conclure ce séminaire. Et puis, à tous, je vous dis déjà un grand merci. On enverra une date probablement d'ici à la semaine prochaine pour partager, continuer ce partage, évolution. On espère d'ici là, Raphaël, que le gouvernement aura pu nous donner, en tout cas le gouvernement vaudois aura pu donner déjà des précisions. On a bien pris note que c'est un calendrier qui avance vite, mais qui demande aussi un peu de temps. Donc, on espère qu'on aura les réponses avant Pâques. Hein. Il faut penser que Pâques, c'est déjà dans une dizaine de jours. Donc, on espère que j'ai entendu ça en introduction. Et d'ici là, qu'il y aura encore beaucoup de questions. Lucas, we have opened the floor. You are with us. And je ne sais pas si en français, je te propose de faire un unmute et de poser ta question, qui sera la dernière question de ce séminaire. Merci. Merci beaucoup, Lucas, d'être avec nous. D'être les dernières, mais ça va. Merci. Et ma question, c'est, on est une start-up, on est vraiment early stage encore, on n'est pas incorporé. Et on planifie d'incorporer maintenant en avril. Et donc, on s'est demandé, sont quoi les pros and cons d'incorporer ou pas incorporer à ce moment? Alors, c'est une question qui était venue dans le dernier séminaire et j'invite les autres à poser la question. Je crois que du moment qu'il n'y a pas de charges qui vont se mettre sur la société, du moment qu'il n'y a pas… Alors bon, un, s'il n'y a pas d'urgence d'incorporer aussi, voir si c'est vraiment une nécessité de le faire maintenant. Maintenant, si du moment que ça se fait, s'il n'y a pas de charges qui se mettent sur la société, si la société est mise en route… aussi pour simplement avoir une structure, je pense pas qu'on aura un problème, que tu auras à faire face à un problème particulier. Aujourd'hui, on parle vraiment. Par contre, il faut bien entendu penser quelles sont les charges qui vont se mettre à courir du moment que la société existera et que ces charges-là, eh ben, si elles sont là, eh ben, il faudra y faire face, sachant que tout le monde s'attend à un marché qui sera très, très difficile, tant du point de vue client. On a le plaisir de se connaître. Tu es dans le domaine qui est plutôt justement très affecté, en tout cas du point de vue investisseur, qui est ces domaines des technologies médicales, des life science, comme on dit, et ceux-ci vont très probablement avoir de la peine à lever des fonds pendant une période qui est difficile à estimer aujourd'hui. On a des échos, certains parlent de 3, de 6, de 12 mois. Donc, il faudra voir comment le marché à ce niveau-là, en tout cas de l'investissement, évolue. Et surtout aussi, je crois que des questions qui vont se poser, ça va être voir comment tout le marché du régulatoire, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de questions pour les startups early. Je sais que c'est une question qui est urgente, sur laquelle on va probablement aussi faire un sujet à un moment. C'est de voir comment les délais dans le domaine des life science seront affectés. On parle aussi, c'est un sujet d'inquiétude sur tous les délais qui vont se mettre en place par rapport aux études cliniques qui aujourd'hui sont mis on hold. Probablement, ça va redémarrer, mais comment ça va se passer? Surtout les problèmes régulatoires des autorités qui doivent s'occuper de ça et qui aujourd'hui, évidemment, sont retardées. Donc, ça, c'est un sujet qu'on sait qu'on doit aussi aborder. Donc, pour répondre
répondre à ta question, s'il n'y a pas une urgence absolue, est-ce que ça vaut la peine absolument de le faire maintenant? Et sinon, de bien regarder que les coûts de l'entreprise elle-même soient mis à un minimum. Je ne sais pas s'il y a les autres entrepreneurs qui sont encore avec nous. Je vois que Edouard et Saad sont encore connectés. Peut-être, Monsieur Muller, vous avez une réponse là-dessus, ou je sais que c'est un peu particulier, vraiment ce moment très spécifique où une entreprise souhaite se créer maintenant. Est-ce que c'est beaucoup mieux d'attendre? Je pense qu'on est quand même dans un contexte de marché qui est assez particulier. Et puis, je rejoins votre conseil. Dans la mesure du possible, si on peut attendre, je pense que c'est mieux. D'accord. Et puis sinon, ben effectivement, garder vraiment, savoir qu'il y aura à partir de maintenant une année avec du moment qu'il y a des coûts, savoir que tout sera très probablement allongé. Voilà, j'espère que ça répond déjà en partie. Merci beaucoup, Luca, de nous avoir rejoints. Et à tout le monde, je souhaite une excellente journée. J'ai encore pas une date pour la prochaine. Merci Sahad, merci Ronald, merci Edouard de nous avoir rejoints. Merci aux entrepreneurs, merci en particulier aussi aux banquiers, on va dire aux représentants de la banque, Monsieur Muller, Ronald, de nous avoir rejoints dans cette discussion, et bien entendu tous ceux à qui j'ai déjà dit les meilleures salutations. Donc voilà pour cette matinée, pour cette session qui sera mise en ligne dès que possible, qui pourra être à nouveau visionnée. Et puis, avec les slides qui seront mises aussi en ligne, et on va continuer ces informations de façon régulière en espérant que ça aide les entrepreneurs non seulement à avoir des idées pour aller de l'avant, mais aussi pour savoir que, ben, comme l'a dit Sahad, on se sent moins seul quand même, même si on est un peu enfermé à la maison, on se sent moins seul aujourd'hui de savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui traverse cette période. Et puis, que, ben, comme le dit tout le monde, la clarté, les fêtes, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, autant que possible, de façon à pouvoir avancer. Et puis, mais bien entendu, savoir que ben on va aller de l'avant et qu'on va trouver des solutions autant que faire se peut. Voilà, j'arrête là. En tout cas, s'il y a d'autres questions qui sont encore en ligne, je vais arrêter là. Je dois encore faire un tout petit pause pour moi. Je vais laisser les participants se déconnecter tranquillement. Moi, je dois encore vite retrouver le mail de Ronald qui était Ronald. C'est bien ronald.colliard@creditsuisse.com. Hein. Merci à tous et bonne journée. Vous souhaite une très bonne journée. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Comme ça, je l'ai. Voilà, il est posté. Au revoir, bonne journée. Et c'est fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je me réjouis de vous retrouver dès que l'occasion se présentera. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.